L'ail est une plante magique. En fait, c'est certainement le meilleur antibiotique naturel. En mangeant de l'ail tous les jours, vous profitez de ses innombrables bienfaits. Dans cet article, je vous présente d'abord les vertus de l'ail chez l'homme, c'est en effet une plante extraordinaire. Puis, comment faire facilement ce remède maison à base d'ail et de miel? Regardez. L'ail est probablement la plante la plus extraordinaire de la famille des alliums. C'est la même famille que celle des oignons. Il pousse facilement dans de nombreuses parties du monde. L'ail est largement utilisé comme ingrédient dans la cuisine en raison de son goût délicieux et de sa saveur épicée. Non seulement il apporte un bon goût à vos plats, mais il est aussi un des antibiotiques les plus puissants. Il peut guérir de nombreux maux. Ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antifongiques, antioxydants et antibiotiques sont largement reconnus. Les qualités nutritionnelles de l'ail. Les gousses d'ail ont un niveau incroyablement élevé de vitamines et de minéraux. Voici ce qu'on trouve dans 100 g d'ail en pourcent des apports quotidiens recommandés. 95% des vitamines B, 6,38% de vitamine C, 13% de fer. 18% de calcium, 80% de manganèse, 22% de phosphore. L'ail fonctionne comme un médicament puissant et le consommer cru comporte une myriade de bénéfices sur la santé. D'ailleurs, il existe de nombreuses utilisations de l'ail dans la médecine ayurvédique et chinoise. Il est scientifiquement prouvé que l'ail diminue le cholestérol et l'hypertension artérielle. La consommation quotidienne d'ail diminue également le risque de crise cardiaque et de maladies coronariennes. Si vous avez une grippe, un rhume, une infection fongique, une diarrhée du voyageur, l'ail est certainement le remède de grand-mère qu'il vous faut pour vous soigner. Le remède maison à base d'ail cru et de miel. 1. Épluchez 2 ou 3 gousses d'ail. 2. Hachez-les en petits morceaux. 3. Mélangez avec une cuillère à soupe de miel. Résultat. Et voilà, en prenant ce traitement tous les jours, vous vous sentirez plus énergique et en meilleure santé dès la première semaine. Ce remède naturel va stimuler votre système immunitaire pour le rendre bien plus fort et ce, en seulement quelques jours. C'est une préparation facile à faire, n'est-ce pas? En plus, ce traitement coûte beaucoup moins cher que n'importe quel médicament acheté en pharmacie. Les bienfaits de l'ail et du miel sont nombreux, alors pourquoi s'en priver? Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'ail et du miel. Comment consommer de l'ail? La meilleure façon de consommer de l'ail est de le manger cru. Pourquoi manger de l'ail cru? Car l'allicine, son principal ingrédient actif, s'abîme à la cuisson. Avant de le consommer, coupez la gousse et écrasez-la. Le fait d'écraser les gousses d'ail active une réaction qui rend l'allicine plus biodisponible. Sachez que l'ail est encore plus efficace lorsqu'il est mangé à jeûne. Pour ce traitement qui dure plusieurs jours, le mieux est d'en préparer une plus grande quantité dans un bocal en verre à conserver au frigo. À votre tour. Vous avez testé ce remède maison à base d'ail et de miel? Dites-nous en commentaire si ça a marché pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.